Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour l'entrée de la CAO pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien. Jeudi, c'est jeudi 29 août 2024. Moi, c'est Jacques Lamélisère, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité électorale aux États-Unis, candidat de principal parti pays a continué à mener campagne pendant que sondage sur intention vote montrait une course très serrée entre vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump. Région Moyen-Orient, deuxième jour opération mortelle l'armée Israël dans Cisjordanie, bilan au moins 16 moun mouri dans tout le Karem. Et puis dans le pays d'Haïti, gouvernement recevra matériel dans main Taïwan pendant une cérémonie qui déroulait jeudi 29 août 2024. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment jeudi c'est jeudi 29 août 2024 et c'est anniversaire Cavalier Paul Canoza nous collaborateur nous Jean-Robert Philippe. Eh ben et nouvelle qui fait tomber là c'est que Haïtien qui était victime en bas mais garde national en bas pont Del Rio en 2021 il était retourné dans tribunal jeudi à dans Washington pour demander réparation pour demander justice. Eh bien, séance l'en fait que sauté là, sans que, eh bien, la justice pas prend yon décision. Et nous t'aigué sous place, Jean-Robert Philippe. T'es spectateur de la Valle d'Amérique, moi, c'est Jean-Robert Philippe, qui salue nous depuis capitale fédérale américaine dans Washington DC, nous devant tribunal, dans district Columbia, côté que parti qui était porté plainte contre le gouvernement américain n'a parlé immigrants haïtiens que et soldats ou bien encore garde national état Texas était calé bien calé et en bas pont Del Rio en 2021 et bien côté que un tribunal a prétendu une autre fois encore pour est-ce que Kaiwa mérité attention. Alors ça qui passé depuis les incidents de passé et donc Haitian Vigilance avec quelques autres entités cap défendre immigrants ben ont porté plainte contre gouvernement fédéral là pour rendre l'administration américaine responsable ça qui passé et également avec état Texas pour rendre responsable ça qui passé avec immigrants. Alors c'était rempli là dans c'était immigrants haïtiens que gendarme Sayo qui était sous cheval ben était calé bien calé avec coup de rigoise pour parce que était justement en bas point côté de peut-être capable d'entrer aux États-Unis pour demander asile ou bien encore demander protection. Eh bien, les gendarmes ont été coupés avec coup de frais de cash. Eh bien, haïtiens sérieux qui étaient victimes, qui étaient entrés aux États-Unis, mais puis fallait dans eux, ils ont été pimpés ou retournés la caillou en Haïti ou bien refoulés encore au Mexique. Donc, c'est comme ça, haïtiens brésiliens avec leur organisation ont porté plainte. Eh bien, plainte ça en premier temps, tribunal a été tendu dossier, mais le tribunal n'a pas de bonne réponse dans le moment. Il était et mandé parti concerné puis été retourné au tribunal encore et qui te met plus de temps pour te permettre que victime yo l'autre victime vienne ajouter non sur l'histoire comme plaintif et bien c'est comme ça que tu fais ça et bien donc le fait que tu fais ça mais gouvernement lui-même ça l'a cherché pour tribunal à voir j'étais car comme c'est que car pas gain mérite encore il pas gain raison pour autant délit pour chercher ba victime yo plaintif alors que et avocat yo ensemble gagne à chercher justice avec réparation pour ça qui était passé dans l'époque là en 2021 en bas pont Del Rio dans l'état Texas monsieur Jean-Robert Philippe qui devant tribunal là et pour VOA Creole. Merci Jean-Robert Philippe, docteur Tako nous t'ai dit en commencement programme là et ben c'est que séance la fait fini là mais pas gagne une décision qui prend sous Aïssé Sayo qui était victime en bas pont Del Rio au Texas en 2021 et ben yo même yo t'ai allé pour yo demander justice avec réparation donc pourquoi gagne qui sorti dans tribunal et Jean-Robert Philippe est sous place très naturellement là pour le parler avec quelques acteurs quelques dirigeants qui gain rapport avec cause ici là. N'après t'es toujours ici aux États-Unis pour nous parler de élection, c'est fièvre électoral ici aux États-Unis côté candidat de principal parti qui prend dans élection 5 novembre, eh ben yo même yo continuer à mener campagne. Nous pral rejoindre Valérie Saint-Louis. Été 2024 ça pral rentrer dans l'histoire américaine comme une saison qui pi rempli avec événements politiques inattendus et puis en pile surprise. En alré ouais événement qui t'est passé yo. Tout bagay te commencé dans jour 27 juin ça. Lesa, ancien président Donald Trump et président Joe Biden te rencontré dans état Atlanta pour un débat. C'était un moment critique dans ça que c'était analyste relé débat revanche entre deux candidats. Performance Joe Biden dans débat était très faible avec un pile mamotement, il t'a bité sous moli, il y a des moments il était crampé pas parler, il était paraît gêné. Tout bagay ça était alarmé démocrate et puis augmenté doute sur capacité Joe Biden pour battre Donald Trump dans l'élection novembre.
Nathan Lynette, qui son thérapeute, réagit là ça. It was really hard to watch. Il était vraiment difficile pour me garder débat. C'est un coup moi te voulais courir faire mes télévisions. Mais moi quand même prend balle moi au front. Trevor Borden, un entrepreneur technologie, te réagit tout là ça. Ça c'est un coup se retourner derrière qu'a fait là. Hier soir c'était un débat entre un zombie contre un imbécile. Mais Joe Biden ensemble avec équipe campagne a dit que c'était juste une mauvaise nuit. Il était insisté que le t'a poussé pour pied devant à campagne. Moi, je pas marcher aussi bien que moi t'ai connu marcher avant. Moi, pas parler bien tant que moi t'ai connu faire avant. Moi, pas débattre aussi bien que moi t'ai connu faire. Mais moi connais ça, moi connais. Moi connais qui gens pour me dire la vérité. Après ça, c'était date 13 juillet, dans quartier Butler, État Pennsylvanie. Yon assassin t'a ouvri cartouche balle, tiré sous Donald Trump pendant yon rassemblement campagne. Yon cartouche t'a frotté bos oreilles ancien président, et assassin t'a touye yon moun dans foule là. Tentative assassinat te fait nation saisie et li te remette devanger tout moun menace violence politique yo. Rennie White qui ton témoin le sa te parlé. You know, when I was standing up yesterday and everybody was telling me sit down. Ou konnen, lèm te campé et puis tout moun te dit m'chita, moi te tan kou paralysé. Et moi te dit tête moi si pou m'pren yon bal, moi ta content pren li pou nom sa. C'est li qui campé pour nous. Deux jours après tentative assassinat sa, convention nationale parti républicain te commencé dans ville Milwaukee. Pendant que le te accepté nomination officielle li pou candidat à la présidence, Donald Trump te parler de jou ça, ça qui t'est passé dans Pennsylvania. It can only be a bullet. C'est un cartouche pour tailler et puis moi t'ai déplacé même moi dans oreille moi, mais moi t'ai couvert accent, t'ai gain sang tout côté. Et puis vient tomber kounya là dans date 21 juillet. En bas pression qu'a monté dans mi-temps démocratio, Joe Biden t'est prêt à annoncer que li t'ai metté fin dans intention li pour continuer campagne là pour réélection li pour un deuxième mandat. Devant Maison Blanche, il y a tout le monde qui vient balle support et te gen l'autre monde qui même te vient juste garder ça que t'as pral passé. Président Joe Biden. I've given my heart and my soul to our nation. Moi bay nation tout kem ak nan mwen. Tant pou en pile l'autre monde. Moi te béni yon million fois et tout. Joe Biden après ça te mette si poli derrière vice-président li Kamala Harris pour prendre mariette la face avec Donald Trump. Ça qui t'a déclenché yon réveil ak en pile énergie dans parti démocrate là. Et c'est comme ça que après ça Kamala Harris t'est venu participer dans la convention nationale parti démocrate là dans Chicago côté que t'est accepté officiellement nomination parti a pour candidat à la présidence. Let's get out there. Let's vote for it. On sorti met quoi nous dehors. On goumen pour lui. On vote pour lui et puis ensemble on écrit prochain gros chapitre dans histoire qui pi extraordinaire qui t'est jamais raconté a. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc c'est chapitre électoral là dans chaque programme n'a pas un chapitre électoral parce que quand y en a vivion fièvre électorale ici aux États-Unis et intention de voter montrer que pral gagner un course serré entre Kamala Harris avec ancien président Donald Trump et d'après nouvelle Kamala Harris avec Tim Walz y a gain pour yo bay yo interview à chaîne télévision CNN. N'a l'autre point d'actualité à conseiller sécurité nationale Jake Sullivan saute visiter la Chine côté le tap essayer améliorer relations américano-chinoises là. Sandra Lemaire gain détail. Conseiller sécurité nationale États-Unis Jake Sullivan clôturé visite 3 juillet dans la Chine. Visite là, t'es gain comme but pour qu'un peu communication ouvert à un pays qui était dans 10 années avec États-Unis pendant l'année qui passait. Sullivan a fait première visite là dans la Chine en tant que principal conseiller président Joe Biden sous question sécurité nationale. Puis bonheur dans la journée, hein, il était rencontré président de la Chine, Xi Jinping, ministre des Affaires étrangères Wang Yi, avec un général replacé Commission militaire centrale, la Chine. Le président Biden dit clairement qu'il prend engagement pour maintenir les relations importantes de façon responsable. Objectif, nous, chaque fois nous engager avec la Chine, c'est pour des résultats pour le peuple américain. En bas leadership du président Biden, États-Unis pourra continuer à avancer intérêts avec principes et puis protéger les pays en mille. Normalement, on a fait ça, nous croyons compétition avec la Chine, pas obligé de déboucher sous conflit ou bien confrontation. Cléa s'est gérée de façon responsable à travers diplomatie. États-Unis et la Chine dos à dos sous diverses questions, sorti depuis sécurité globale, pour arriver dans la mer sud-chinois, politique industrielle, automobile électrique et fabrication panel solaire.
Visite Sullivan nan visait empêcher tension sa yo qui était en main en 2018 augmenter et puis tourner en conflit tout bon. Chi bon côté pali soulignait que monde nan a fait face à grand pile changement ak turbulence et que au besoin solidarité à coordination pas confrontation. Li ajouté moun vle transparence ak progrès pas exclusion ak politique qui pas à la mode encore. Tous deux gouvernements yo vle kembe relation yo nan niveau équilibré avant changement présidence États-Unis nan mois de janvier 2025. La Chine ak États-Unis di yo prend engagement pour maintenir relation yo et puis rapoursuivre rencontre Xi avec Biden te fait nan San Francisco nan mois de novembre année passée. Deux pays yo d'accord pour travail pour organiser un appel téléphonique entre Xi ak Biden nan semaine kap vini yo et Sullivan indiqué deux leaders yo ta capable rencontrer en personne face à face pendant sommet coopération économique Asie-Pacifique là kap gen participation 20 pays Pita Anessa. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Avant nous quitter l'actualité haïtienne aux États-Unis, nous avons dit que un groupe immigrant haïtien que garde national était calé dans un bapon Del Rio au Texas, et bien au retourné jeudi à dans tribunal dans Washington DC pour demander justice à réparation pour insulte qui était passée en 2021. Administration a mandé tribunal là pour voyer jeter demande immigrant qui pas gain mérite d'après ça envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe fait nous connaître n'a pas aller dans région Moyen-Orient en pile monde continue mourir dans Gaza pendant deux opérations là mais Israël mené dans tout le calme et dans Jenin nous dans Cisjordanie pendant temps ça ministre Union européenne yo réuni pour un chita parler sur ça qui passé dans Moyen-Orient détail avec Gentil Augustin Junior. L'armée israélienne dit jeudi 29 d'août 2024 là que troupes liyo touye 5 combattants palestiniens qui étaient cachés en dedans une mosquée dans Tolkham dans Cisjordanie. Nous t'ai dormi et puis nous levé en bas coup de zam vers 3h30 matin. Moi t'ai réveillé madame moi pour dire l'armée a tiré sous Kaila. Nous t'ai couru à l'autre chambre là, yo t'ai lancé un rocket. Petit garçon ak madame li té nan deuxième étage là. Yo frappé ak yon roket et puis Kayla té krasé plate à terre. Kay prend di fe pendant yo continue ap tirer roket sou li. Nou pat konnen kote pou nou ale. Opération an ki d'après yon témoin Waters poko fini. Té commencé nan premier aide temps yo nan mercredi ak plusieurs troupes l'armée Israël la ki té gen hélicoptère, drone ak machine blindé qui attaquent ville Tulkam, Jenin ak Valley Jourdain. Pendant temps ça, ministre Affaires étrangères Union européenne yo rencontré nan Bruxelles jeudi 29 d'août 2024 là pour yon chita parler qui pas officiel qui concentré sur la guerre en Ukraine ak Gaza. Et puis tout sous élection en Venezuela, Annalena Baerbock, ministre Affaires étrangères allemande, dit: yon suspend tiré pour raison humanitaire dans Moyen-Orient, pi nécessaire kounye ya passer toutes les. Quant à pour otage yo qui toujours en bas main Hamas, li difficile pour imaginer ça. Li difficile pour konnen si moun pau ki en otage nan Gaza vivant toujours. Suspend tire humanité ça nécessaire tout pour 2 millions résidents yo nan Gaza. Anvan réunion an, un pile gros diplomate union an te exprimé tout inquiétude yo concernant situation nan Gaza. Yo mandé yon accord pour suspend tire et puis la guerre otage yo. Même jan tout kek parents otages israéliens manifestés pour mander gouvernement Israël là dégager le coumet Jean-Jacques fait otage retourner la caillou. Jill Dirkman, ses cousins otages israéliens Carmel Gate, lui dit: si Netanyahu pas arrivé joignon accord et puis la gué otage, laisse ça nous pral la gué yo. Nous ap vini pour la gué yo. Fami otage israélien yo ki nan Gaza manifesté tout près frontière ya jeudi 29 d'août 2024 la.
pour mander yon accord qui a bay garantie pour la gè otage yo. Groupe la te pote photo ak chemise ki marqué ak penti rouge et yo te rassemblé nan kibbutz Nirim nan sid Israël. Environ 2 km ak fontyè ya. Yo te commencé lancer message l'amour ak sipò pendant yo t'ap parlé en face fontyè Gaza. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien. L'autre point dans l'actualité internationale là, dans le pays Ukraine, yon groupe moun te rassemblé sous place Mikhail Livaska pour rendre hommage dans mémoire soldat qui était tombé sous champ de bataille. Eh ben, cérémonie ça a déroulé en présence magistrat Villa Vitali Klitschko. Joue ça a marqué 10e anniversaire bataille Ukraine là aussi. Nous voulons parler de guerre Ilo Vaiskla, jodi 29 août là côté que eh ben moun yo te vini ou tan kou nou kapabwèl là yo pote fleur et yo pote des un paquet de pièces que yo mette nan engin militaire. Donc ça son façon pour te honorer mémoire soldat sa yo qui te mouri nan guerre ça et tan kou nou dit déjà il était cérémonie déroulée en présence Vitali Klitschko qui c'est magistrat Villa. Et puis yon l'autre côté pendant ce temps gagnent deux patio qui intensifie attaque Ukraine dit la Russie te fait yon gros attaque aérien sous li pour yon troisième fois dans 4 jours yon lancé missile ak drone que yon même yon te intercepté quelque là-dedans. Ukraine dit jeudi a force russe te tiré 5 missiles et lancé 34 drones. Et puis Ukraine bon côté pas li mené tout attaque et ben yon vidéo l'armée montré Ukraine cap lagi grenade sous force russe dans région Kursk là. Faut dire que agence Reuters pas de gagner et précision sous exactement côté ça arrivé mais elle nous capable vidéo ça cap monter Ukraine cap lagi grenade sous force russe. Ou souvé ou créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien pas déplacé actualité dans pays d'Haïti. Dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché sous VOA Creole alors que la présenté au programme dans langue créole haïtienne. Actualité à concernant pays d'Haïti, ambassadeur taïwanais Web Jang Ku remet yon lot équipement sécurité individuelle à premier ministre Gary Kony pour la police nationale et l'armée d'Haïti. Steven Aristil est présent pendant la cérémonie ça. Ambassade pays Taïwan nan Haïti Web Jang Ku te organisé une cérémonie côté li te remet yon lot équipement sécurité individuelle ak premier ministre Gary Kony pour police nationale ak force l'armée d'Haïti. Dans cadre activité si la, ambassade a fait konnen équipement sa yo fabriqué selon besoin policier ak soldat l'armée d'Haïti yo. Kit sa ou gen nan yo, casque balistique, gilet pare-balles, genouillère tactique, poche pour mettre chargeur, cagoule, gants qui très résistant ak lunette protection. Toujours dans le pays d'Haïti, trois conseillers qui impliqués dans le scandale et corruption BNCA y répondent question ULCC parallèlement CARICOM mandé pour t'amener sous côté pendant une réunion avec secteur. Reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Ministère de Justice et Sécurité publique voulait joindre liste complète personnalité haïtienne qui sanctionnait beaucoup de pays étrangers. Les mandés, tout preuve et indice qui capable justifier sanction ça. Correspondance pour mandé information ça déjà à joindre ministère affaires étrangères à qu'il dans l'idée pour le transmettre yo by ambassade pays concerné yo. N'a pas rappelé pays les États-Unis, Canada et République Dominicaine, c'est parmi pays qui imposent sanctions à membres élite économique et politique pays d'Haïti yo.
Dernière personnalité, pays les États-Unis fait sanctionner, c'est ancien président Michel Martelly pour question drogue et parrainage activité criminelle. Liste complète personnalité qui sanctionné au doit gagner dans tout et charge et preuve qui justifier sanction yo selon dirigeant haïtien yo. Initiative ça bon côté autorité haïtienne inscrit dans une démarche suivi national dossier selon information Véroa Créole joint souterrain. N'a pas rappelé que premier ministre Guy Koni était encouragé ministère de la justice pour demander information claire sur dossier sanctionné yo bon côté pays qui prend sanction yo. Chef gouvernement t'a fait déclaration ça pendant une visite semaine passée dans nos pays. Moi c'est Yves Manuel, Déby Port-au-Prince pour Véroa Créole. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti et pour nous parler de activité électorale, ben conseil présidentiel transition pas arrivé kembe date 28 août là, l'été bail pour mettre campé conseil électoral provisoire à cause majorité secteur yo poko entendre pour voyer un représentant dans institution. Nous gain sous place dans Port-au-Prince ou dans tout ça. Conseil présidentiel transition pas respecté date 28 août 2024 là comme date limite l'été bail pour former conseil électoral provisoire à cause majorité secteur yo pour qu'on transmette non représentant yo par rapport à division qui existait dans mitan yo sous 9 secteurs jusqu'à mercredi 28 août 2024 là c'est seulement 3 qui déjà transmettent non représentant respectif yo l'église catholique la presse et secteur douamoun nan secteur syndical haïtien censé conclure tout sous yon seul nom mettre sa nom Nimrod. Sauf que groupe professeur Josué Mérilien dit faut que t'aies plus consensus sous choix ça. Pour l'autre secteur yo tant coup vaudou défense droit femme ak protestant yo yo tout voyé deux noms by capitaine. Mais selon capitaine yo doit entendre yo sur un seul nom. Frenel Joseph qui c'est responsable cause ça au niveau conseil présidentiel transition dit regrette en pile d'être ça pas respecté. Li encourager secteur qui pokoka entendre yo pour yo assumer responsabilité yo dans cadre formation institution électorale cap gen comme principale mission organiser référendum qui lié à révision constitution à organisation élection générale yo en dans pays d'Haïti pour renouveler personnel politique là à remettre campé institution démocratique yo. Conseil présidentiel transition te bay secteur impliqué yo jusqu'à 26 août passé ya pour te transmettre non représentant yo pour qu'aipi a te capable mettre en place 28 août 2024. En pile citoyen attend yo à ce que autorité yo réunit conditions appropriées pour mettre campé structure électorale là avant 1er septembre 2024. D'après ça yo dit chaque jour compté sous cause ça puisque élection a important en pile pour que 7 février 2026, yon président élu prend maïd la, j'en sa prévoit dans l'accord 3 avril 2024. Ouenan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Dans moment n'a parlé là dans Liga qui se championnat de première division espagnole là, et ben Las Palmas a mené 1-0 sous Real Madrid. N'a pas tourné dans l'actualité là concernant pays d'Haïti, Ofatma profité de 57e anniversaire création pour inaugurer un nouveau centre urgence moderne dans Cap-Haïtien deuxième ville pays là, Gérard Maxino. Inauguration centre hospitalier ça a réalisé mercredi 28 août 2024 là en présence plusieurs invités de marque. Parmi eux, ministre Affaires sociales, Georges Wilbert Franck, écrit général ministère ça, Marie Hérole Michel, DG Ofatma, Dr. Carl François, et magistrat en après Ville Cap-Haïtien, Patrick Almonor. Monsieur Almonor déclaré, Ville Cap-Haïtien a besoin d'un centre hospitalier moderne. Magistrat a souhaité centre ça bien géré. Aujourd'hui, avec la construction de ce centre hospitalier moderne, je veux dire sur le plan sanitaire, que le public peut concurrencer le privé en termes de disponibilité du service. Aujourd'hui, l'inauguration de ce centre hospitalier moderne coïncide directement avec la vision que vend la municipalité capoise, à un moment où le Nord est considéré comme une destination. Et comme destination, la gestion sanitaire doit être une priorité.
Nous ne pouvons pas parler de destination si par un hôpital qui a reçu le voie touristique. Là, on a un problème. Si on a un petit dérangement, si on a un problème, il faut un côté qui descend, qui a reçu le voie. Ça va aller au venir, il ne va pas finir encore. Selon le directeur général OFATMA, Dr. Carl François, l'hôpital ça a déjà gagné 20 chambres qui sont disponibles sur 60 et pour le bail service, pédiatrie, chirurgie, médecine interne, maternité, orthopédie, radiologie, actualise. Ceci est la première phase de l'hôpital qui aura normalement 60 chambres à son terme. Nous sommes en train d'inaugurer les 20 premières chambres. Et les différents services qui vont être fournis reviennent non seulement aux assurés, mais à la population du Nord en général. Donc on a modifié l'ancien nom. Ce n'est pas uniquement un hôpital pour Cap-Haïtien, mais c'est un hôpital pour le département du Nord qui est en train d'avoir un essor économique extrêmement intéressant et qui mérite justement un hôpital de ce niveau. Donc ce que je dirais, c'est ce que plusieurs états disent, que c'est un hôpital de niveau international. Ministre Affaires Sociales et Travail, Georges Wilbert Franck, explique au FATPA une permission par meilleure qualité de soins de santé à moun qui assuré, mais tout à sa yo qui pas assuré. Nouveau l'hôpital au FATPA sa nan ville Cap-Haïtien gen 19 chambres, des salles opération ak équipement moderne, yon bloc maternité pour bay femme enceinte ak ti bébé la soignage. Li gen tout 4 salles consultation ak yon laboratoire. Inauguration réalisée même jour anniversaire au FATPA qui se 28 d'août. Institution ça a gagné 57 années depuis l'y créé dans le pays d'Haïti. Gira Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Merci Gérard Maxino, nous pratiquement arrivé dans fin programme là. On va aller d'abord n'a rappeler quelques grands points cap dominé actualité a. Et ben candidat de principal parti et dans ici aux États-Unis, et ben yo mené campagne et sondage sous intention vote yo montré que pral gagner yon coup serré ou bien gagner déjà yon coup serré entre ancien président Donald Trump et vice-président Kamala Harris. Et puis dans la région Moyen-Orient, deuxième journée opération l'armée Israël dans Cisjordanie, bilan au moins 16 monde perdu la vie surtout dans tout le Karem dans Cisjordanie. Et puis dans le pays d'Haïti, gouvernement recevoir matériel dans mais Taïwan pendant une cérémonie qui déroulait jeudi 29 août là. Et puis ici aux États-Unis, il y a un groupe migrant haïtien et garde national t'est attaqué, t'est calé dans Pont del Rio en 2021, il est retourné jeudi encore dans tribunal dans Washington pour demander justice à réparation. Et ben décision c'est que administration mandé tribunal là pour voyer jeter et demande migrant qui pague mérite. Donc tribunal a sorti sans que pas vraiment prend une décision sur cas. Nous t'ai sous place Jean-Robert Philippe qui lui-même la gain pour présenter nous encore l'autre détail parce que t'ai sous place tout responsable Asian Bridge Alliance qui était présent dans rencontre là. Et puis dans football, surtout dans championnat dans Liga qui c'est championnat première division en Espagne, et ben d'abord gain Jérôme qui a mené 4-0 sous Osasuna, et puis gain Las Palmas lui même l'a mené 1-0 sous Real Madrid. Et ben gain pile monde qui commence critiquer Kylian Mbappé qui depuis Liga a commencé monsieur pas vraiment bay en rien dans garde là li poko marqué bien que yo retiré Super Coupe d'Europe là côté que monsieur t'ai fait yon goal dans victoire 2-0 Real Madrid là, mais pendant ce temps monsieur pas bay rien dans garde là dans Liga poko marqué yon grand goal. Donc ce match que n'a vous parce que match a li poko fini ni match et Osasuna poko fini. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. Pabli jodi a son grand jour pour nous pour service créole là parce que n'a célébré yon ami, yon frère, yon collaborateur, yon infatigable. N'a parlé de Jean-Robert Philippe alias Jean-O, son nègre qui infatigable, qui toujours sous travail. Eh ben il faut le faire, nous saluer et nous dire que nous remen en pile et nous souhaiter tout ça qui bon pour lui et nous grand pile surprise pour lui. Eh ben Kevela Palagé, surtout dans nos services là et dans nos chefs de service là, Sandra Lemaire. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.
Côté force de l'audio, parce que yo dit cette fois-ci c'est Raceta, et bien faut que yo déchouquer, faut que démanteler, faut que dénicher et me dire mais et c'est un objectif ça qui fait que et tout ensemble de force de l'audio en payant yo mobilisé Désir Venesse. La police à travers Andy de Gérard Monomil et gain chef gouvernement qui c'est docteur et Gary Conny, monsieur qui visitait trois policiers mettait avec Andy de l'autre monde qui était victime et Andy employé civil qui est victime dans cadre opération que la police a menée dans niveau 4 Bel Air Solino. Mais PM Gary Conny, monsieur qui vraiment est apprécié et salié, ça n'a pas pris le courage, la caille policier soit Tim Sayo, et côté que policier soit Tim Sayo motivé, yo dit que yon pas qu'attendre que yon guéri, yon pas qu'attendre que yon refait, pour yon capable retourner sous terrain combat yon, sous terrain bataille yon, pour capable dénicher, démanteler les bandits armés yon. Et PM Gary Conny, ben, garanti que gouvernement qu'il a dirigé, mette avec conseil présidentiel yon, avec DG Ramon Amil, y'a pris toute disposition pour yon capable mettre policiers yo dans conditions de travail, ça veut dire qui ça mettez prime de expouyo et prend de engagement, prend de décision pour que yo capable permettre que et yo rivé les policiers ou amener de opération, les policiers ou à faire de action et à l'opération, mais si yo victime, mais si yo ta mouri pour capable accompagner et policiers famille policiers ça yo. Et n'a dit désir PM Gary Conny clairement dit que ouais pas ouais l'état a reprend contrôle pays. Ouais pas ouais l'état a prend contrôle pays hein. Ouais pas ouais l'état a prend contrôle pays hein. Pour une capacité PM Gary Conny. Malheureusement désir Venesse, dans journée qui était mercredi 28 août là, la police a gagné une victime, c'est policier Michel les mêmes Pierre qui les mêmes tombé en babalmenti dans Delma 75 rue Cassayol 12 prolongé dans Catalpa menti touyeli que pas arrivé identifié et policier qui la machine privée et qui était en uniforme que menti au vide balle sous lui et dans constat juge de paix mais gagne pas 13 et pas cartouche que joigne sous machine policier Désir Venesse et n'a dit moment la parlé là situation compliquée dans Crécier qui côté bout de bas passé qui côté bébé bou qui passé, qui côté équilibre est passé, qui côté barbecue est dans moment, qui côté kempesi est dans moment, c'est un pile mobilisation qu'a fait Désir Venesse, bagarre très compliqué, mais désir, moi certain que j'ai des informations sur une opération de la police menée 27 là dans Bel Air. Très bien. Blaise Peterson gagne divers militaires qui dans l'armée d'Haïti, gagne divers policiers qui dans unité spécialisée qui parlait avec nous Blaise Peterson. Yo dit nous pas innocent dans Bel Air. Parce que toute population a rangé, y a tiré bouteille à coups de roche sur policiers dans le moment où t'as mené opération. Je dis, Blaise Peterson, organisation qui a défendu droit moun yo. Y a besoin de prendre note de ça. Si population a rangé, y a tiré bouteille, y a tiré roche, y a tiré cocktail Molotov sous policiers yo pendant y a mené opération, eh bien, y a ces soldats dans gang que Kempes a dirigé en dedans Cité Soleil là. Et différent l'autre chef gang qui en dedans Blaise Peterson. Pour de quoi? Les la police fait travail, les militaires fait travail, yo, pour pas gagner organisation droit moun qui pral dénoncer, qui pral empêcher policiers fait travail dans situation fragile qui est là. Je dis à l'air, on moun ou dit ou red belé. C'est pas sous pression, non? Bon, dis à pour pouvoir tirer coup de roche, pour tirer coup de bouteille, pour tirer cocktail Molotov sous policiers. C'est responsabilité ou tout prend, ou tout dit automatiquement, ou c'est membre actif. Gang yo, militaire plein en pile de ça. Jodi, y a sibi de ça yo, quand pile nèg ki gen gwo voix nan presse traditionnel là, qui connaît situation qui pas dénoncé. Mais pour c'est yo même ensemble moun Cité Soleil yo pral gen la presse qui pral parler pour yo. Comme yo parler ak nous, Blaise Peterson, nan Mesak Nouvelle, Blaise Info, Pan Nouvelle, 24 Bas Info, Racine Nouvelle Haïti, yo quoi qui a font travail qui sans pareil. À tout équilibre sans force côté, eh bien, vous partagez avec nous, nous attirer attention, organisation qui défend droit moun yo, nous attirer attention, l'autre confrère yo, si vous pas connaît, ça a passé dans Cité Soleil, pendant policiers yo a mené opération Blaise Peterson. Pierre Espérance, qui t'a parlé sous Magic 9, 28 d'août 2024 là, eh bien, il dit qu'il y a une nécessité pour Haïti réviser, caloter opération, ou bien coopération, qu'il a fait avec les États-Unis dans le domaine bataille contre cartel drogue qui a alimenté en dedans pays qui rend que situation très difficile. Il dit corruption à crime organisé en dedans pays li important pour Haïti, tant que Colombie,
gagne une coopération qualité défense avec les États-Unis dans bataille contre cartel drogue et considération que essayer d'entendre garder et qui mal que cartel ça yo la cause société a prendre des situations très difficiles pendant après c'est d'entendre garder si on cap prendre sanction contre Michel Joseph Martelly selon Pierre Espérance bagalal plus loin que ça Blaise Peterson yo de allonger parce que c'est un enchaînement criminel yo fait pour affaiblir la justice pour affaiblir force de l'audio. Eh bien, par un garçon, avec femme honnête, je dis, hein, qui vous tendez dans un scandale, dans ça qu'il y a avec question corruption. RNDDH continue dans question scandale, Blaise Peterson. RNDDH déplore absence, la justice, sorti dans l'année 2021, ok? Dans le cas Magali Habitant, ça qui est pour avec chambre affaires financières, dans le coup supérieur des comptes, dans le litige qui gagne, dans ça qu'il y a avec question grief administratif, qu'elle condamnait. Et Magali Habitant qui a arrangé pour retourner dans le trésor et public là encore, on l'autre fois, à travers et SMCRS. Li avance yon somme, li ta fait quoi que Magali Habitant te blanchi Blaise Peterson pendant l'été dans l'institution. Li parle de yon affaire de 38 milliards. Ok? 38 milliards. 8 879 776 071 goud que Magali Habitant te arrangel qui te disparaît pendant le tap géré institution si la. Li mande, Pierre Espérance pour parler, dans correspondance à travers RNDDH, yo adressé avec commissaire gouvernement Lionel Gaston, Lionel Constant, pour yo mande avec doyen tribunal là, nous voulons parler de Bernard Saint-Ville, pour yo arranger yo, pour yo reprendre dossier si la, qui ka permettre Magali Habitant restituer 38 milliards et 879 millions. 776 071 goud qui te disparaît et pendant Magali Habitant t'a géré SMGRS Blaise Peterson. Amnesty International parlé avec République Dominicaine Blaise Peterson. Yo parlé avec Luis Abinadel pour yo bail respect avec droit haïtien yo cap vivre en République Dominicaine. Dans la façon que yo a traité compatriotes nous qui en République Dominicaine, eh bien Amnesty International foué bouche dans cause ya. Ça qui est pour avec processus dans conseil électoral provisoire qui concerne mesdames, yo Blaise Peterson, yo aurait commencé avec processus nomination dans conseil électoral provisoire, yo aurait les KEP, secteur, organisation femme yo, résultat processus, juillet à août 2024, eh bien, Marie Rebecca Guillaume, et qui a Angèle, à travers comité organisateur KEP femme, et dans fondation Toya, et qui crie femme Haïti, sofa, yo entendre yo, pour au moins que yo cap vraiment bre bagala, permettre que mesdames yo, yon pi bon, représentation, dans sa qui gen pouwe avec conseil, et électoral provisoire. Enquête ILCC yo, tende, nan date, qui te 27 d'août la Blaise Peterson, yon apre l'autre, trois conseillers qui impliqué dans un scandale corruption BNC. En plus, question à poser, qui ça fait? C'est pas ILCC, non, quand j'achète dans des messieurs, c'est messieurs qui pote tête yo, dans ILCC. En pile, moun a posé tête yo question. Qui est volonté loyal comme ça? En pile dans les gens, après c'est jouer avec ça qui vous a bien comme influence sous enquête. Parce que ouais, les IELC se sont tirés pour vous. Ils ont arrêté Mounio, et bien à travers la justice, ils ont fermé levé. Ils ont allé dans la Bias Corpus pour vous mettre Mounio dehors. Est-ce que c'est ça que le conseiller a choisi de faire? Pendant que CARICOM continue à demander avec parti. Qui voyait trois conseils présidentiels, ça, dans le conseil présidentiel de transition, pour écarter des processus de Blaise Peterson, parce que vous dites situation très difficile. Et je dis, c'est pas pour ça que monsieur était venu. C'est pour te changer condition. La vie, peuple haïtien, qui était très difficile, là, on était venu, on était dit, capable. Eh bien, il y a un gros sam, qui croit pas qu'il y ait preuve, pour acquiser trois conseils présidentiels, yo, dans un scandale BNCA. Dit, c'est une fabrication politique, contre trois conseils présidentiels, yo, m'a parlé des responsables, et gros sam, non, nous voulons parler des comptes d'or. Et qui croit, c'est yon coup d'état classique qu'a planifié pour craser conseil présidentiel transition. Il y a quelques haïtiens qui tout partout, qu'a dit, si coulève, et cette tête de queue, t'as arrivé craser, il pas en mal, parce que jusqu'à présent, c'est trésor public là, il y a dilapidé, et prend plus policiers possible pour barrer sécurité, pour la population, pas de sécurité, Blaise Peterson. Deuxièmement, c'est que ensemble de points ça important qu'on analyse là dans l'émission ça aujourd'hui hein? Et dans question conseil électoral provisoire là, c'est que c'est vendredi week-end ça là que gouvernement mettait avec un conseil présidentiel Tadgui rendre public non ensemble et représentant différents secteurs qui va faire partie conseil électoral provisoire là qui Tadgui pour organiser élection et d'ici année prochaine peut-être m'a connait si c'est mois juillet si c'est mois d'août m'a connait que ça là pied hein? Mais moi certain que c'est dans la période ça que élection
organisé. Et bien que PM Gary Kouni te raconte pas de ce maintenant avec l'ambassade américaine Haïti à Denis Hankins, et te gen l'autre responsable dans la question élection qui était chita pas ensemble avec eux pour garder comment que yo pral rive établi de disposition pour organiser l'élection. Mais pas oublier, n'a dit clairement que pas qu'à gagner l'élection dans le pays, ça, c'est pas de sécurité. Ou attendez, moi, je suis à filer ses poules, ou élection l'abtonne. Eh bien, pas qu'à gagner l'élection dans le pays, ça, si pas de sécurité. Quel que soit forme à gars, ou qu'à filer ses points ou là, qu'à filer et m'a connu manchette couligne là pour aller dans l'élection, eh bien, depuis pas de sécurité, pas de élection, et dans ce sens, ça, et tout secteur, tout acteur, tout doué engagé pour que yo capable de permettre que yo rétablir sécurité dans le pays. Yo doit dégager comme Jean-Jacques et prend toute disposition pour y arriver rétablir sécurité, l'ordre, sécurité, la paix en notre pays. Et c'est une obligation pour y rétablir l'ordre, sécurité, la paix en notre pays. Et tout secteur, tout groupe coréen, c'est coller ses épaules pour que élection et sécurité capable d'établir en notre pays. Et si nous pas consent, pas d'accord et ne pas prendre ça en termes de charge, en termes de responsabilité, jusqu'à présent, n'a pas compris que pas de volonté. Mais tout secteur, tout acteur, tout monde, tout individu, tout particulier, qui voulait que, pour qui dit que, yo même yo besoin l'élection, mais faut qu'il y ait sécurité. Désir, nous allons venir avec PM Gary Kouni, et dans la visite, ça qu'il fait, nous visiter trois policiers SWAT, qui ont même été recevoir balle, dans quatre opérations que t'as mené en dedans, et bel air solide de l'autre côté encore, même pas banalement si désir, PM n'a dit un peu le causer. PM Gary Kouni dit en pile causé, il m'a invité à m'entendre sa PM dans dit. Et bon, bien avec un lot, parce que ça, déclaration ça, qualité extrêmement la patron Chita, bon, garde. Entre temps, désir, on nous vient avec causé, ça que comportement, moun nan quartier Bel Air gagne. Très bien. Bonne situation. Je veux dire, nan ensemble quartier, côté qui gagne gagne. En pile fois, nous d'accord que monsieur qui gagne zam illégal dans mais yo qui constitue caïd criminel yo dans région métropolitaine nan, ou bien dans quelque soit côté yo yo servi avec population yo faire un service comme bouclier humain après tout crime y a fait dans mi-temps communauté a et bien yo servi avec moun sa yo pour yo cap di que la police vient faire massacre dans zone yo mais kounye a là ou gagne des officiers des militaires. Là où il y a des policiers qui dans unité spécialisée yo qui déployé des lait dans opération yo pour voir c'est des membres dans population femmes ou garçons si monde tant que grand monde cap lancer coup de bouteille cap lancer coup de roche cap lancer cocktail molotov sur yo tout femme cou ti monde petit cou garçon cap lancer bouteille roche cocktail molotov sur policier yo dans cadre opération que yo t'al mener ça veut dire songer dans village de Dieu les policiers yo tenons ça. Là, on est dans situation difficile là. Yo te dit que police, yo te dit que population t'est envahi. C'est ça cause que policier qui t'al perdit la vie dans village de Dieu dans quatre opérations. Est-ce que n'a d'accord? Population gang qui dans quartier pour d'ailleurs, nous te barbecue. OK? Te présenté, te dit vivre ensemble que peuple dans quartier populaire. Est-ce que organisation qui a défendre droit moun yo? La presse traditionnelle, presse en ligne non? Je dis, on croit que nous avons une responsabilité, nous. Dans le combat, que si difficile, que policiers, que militaires, que officiers, qui dans la mission, a fait en Haïti là, dans le cadre de guerre urbain, qui a fait là, là, il a besoin que nous gardions l'autre gens. Parce que, la majorité de nous qui dans le quartier, c'est tout bel et, dans ça que officiers ça, dans ça que militaires ça, partagé, dans ça que policiers ça, dit à nous, eh bien, pas qu'il nous sommes bel et. Si moun nan population kap arrange yo, ou y a tiré coup de bouteille, tiré coup de roche sous la police, yo tout di, yo tout fait choix, oui. Yo tout di mais qui côté oui. Parce que je dis, ya, Normil Rameau mande mariage, police ak population. Mais police a pas kap prenne pot bagay. Non mais population. C'est vrai ou après que la police a demandé pour population rete tête frette, pour rete calme, parce que opération qui a fait, c'est des professionnels qui a pas dit. Yo pourra faire massacre. Mais est-ce que vous pensez, yon nèg qui passe à l'académie, yon militaire qui prend formation en dans pays à coup de pays à li pral rete pou wè mab dans population a tire coup de roche sou li a tire cocktail molotov sou blende et ke ou la dans pou y al men opération
me garantir une situation qui est très difficile. C'est pour ça qu'elle attire attention. Organisation qui défend le droit de l'homme. Nous attirer attention. Confrères, les médias peut-être qui parlent de nouvelles ça. Pour yo parler avec la population Bel Air. Pour yo très prudent. Bel Air. Tout côté qui a les foyers de gang, qui ont été à n'importe moment, qui et yo capable mener des opérations dans zone ça parce que comme c'est Bel Air qui est en actualité on a pas de Bel Air mais c'est un peu l'autre côté que qui des fois de gang yo que bandi yo fond dans la population et bandi aussi au contrôle les populations bon moi même pas c'est action ça les personnes il pas une question de contrôle population c'est pas bandi yo qui dit population même pour y tirer roche pour y tirer bouteille attendez la police vient mener opération moun l'a affronté c'est des monde qui gen zam nan men yo nous a ka dit que force yo proportionnel. Parce que si la police a utilisé fusil M14 ou bien M4 ou bien M1, bandits a utilisé fusil ça autour pour tirer sur la police. Ou même qui dit ou trouve une situation difficile, c'est quitte ou pas qu'à quitter zone là, c'est l'autre côté pas pour aller qu'il faut arrêter pour la police a fait opération pour y remarquer ou parmi monde qui tire coup de bouteille, qui tire coup de roche sur la police. Ou tout dit automatiquement ou fait partie foyer réseau criminel là. Je dis c'est pour tout. Dans tout cas, c'est côté qui gagne gang yo. Si moun ki di yo dans population, y a fait partie gang nan, yo nan gang nan pou yo afficher yo pou la police konnen ki position qu'elle veut gagner. Pour l'armée d'Haïti konnen ki comportement qu'elle veut gagner. Et jodi a, mini justice ak sécurité publique là. Li té important pou té bay yon ultimatum pour tout moun ki pa gen rien pour avec gang yo, ki té espace gang yo. Laisse aller la police aller. Tout moun qu'elle croise, la va konnen que c'est gang yo si yo rete en rébellion. Parce que yo doit obtempérer avec la justice. Yo doit obtempérer avec l'ordre que la police baille. Depuis yo pas fait la situation, yo pratiquement carré des choix. Yo cap blessé mortellement, yo cap maîtrisé, arrêté par la police la situation. Désir ça que m'apprendre que collaborateur nous Claude partager avec nous pour journée et qui c'est mercredi 28 août là. N'apprendre que la police force de l'ordre continue à mener des opérations en dedans Bel Air dans Badelma. Dans la zone Delma 18, corridor Bastia. Zone ça, la police, l'armée, officier Kenyan yo, pour après-midi qui était mercredi 28 août 2024 là, zami interne cap garder émission ça dans moment quelque chose cotoyen, mais pour après-midi mercredi 28 août 2024 là, la police force de l'ordre continue à mener des opérations dans fief gang yo dans Badelma, Delma 18. Des corridors Bastia dans Bel Air. Ça veut dire, force de l'ordre mobilisé pour capable contrecarrer action gang. Et moun, dans le quartier Solino, qui nous connaît, qui va suspendre victime de action malhonnête, en bas, mais groupe gang Kempes dans Bel Air, qui mettait avec groupe gang barbecue, qui toujours fait de assos sur moun dans Solino, mais moun dans Solino, selon ça que nous apprenons, yon campé avec policiers, yon campé avec force de l'ordre. Yo ba ou bourad pour aider yo dans bataille dans goumen affaire parce que pas oublier moun Solino toujours dit yo pas quitter bandi vin pran Solino yo pas quitter ni Kempes ni barbecue salien vin pran Solino parce que yo dit yo va gagne l'autre côté pour aller c'est là où gagne priorité qui donc y a goumen du bec et des ongles avec la police mettez bon côté la police pour combattre bandi armé yo donc je dis hein est-ce que ça que PED Gérard Monami te dit, hein, que ni mandé, elle pas seulement mandé, hein, et que PM Gaïko ni mandé, hein, qui c'est mariage police-population, hein, est-ce que Moun Solino comprend ni? Est-ce que vous commencez à rentrer là-dedans? Est-ce que dans l'autre zone, qui côté que Moun yo pas accepté pour que yo fond nan mitan bandi yo, est-ce que vous pral tande appel ça, qui c'est mariage police-population, hein? Parce que m'dou je dis ça désir ici, hein, bandi yo, yo pa gen état d'âme. Bandi pa gen état d'âme. Bandi pa gen maman, pa gen papa, pa gen si, pa gen ça. Bandi pa gen ça. Lek, ouais, les bagages la compliqué pour lui. Pour même moun la manger ou même la manger. Bon, sur le barbecue, te dis, nan moment où te dis, les des salines tap goumé, c'était nek tête green qui te attaqué des salines. C'est pour ça qu'il tap attaqué tout le monde. Question qu'on pose, est-ce que dans l'autre zone qui gen gang yo, est-ce que population pare? M'a dit oui, dans le département de l'Antibonite, 14 d'août, population prend la rue pour aller chercher la police. 28 d'août, yo prend la rue et pour y aller chercher la police.
non et commissariat tout Saint-Louverture dans ville Gonaïves pour dire pareil pour mener opération contre gang yo qui achète département l'argent comptant et exiger recommandement la police yo exiger gouvernement pour penser avec question insécurité qui gagne dans département de l'Antibonite parce que loi garde département de l'Ouest li vini premier par rapport avec pour quantité gang qui gagne quelqu'un là-dedans. Mais si vous regardez département de la Tibonite, il vient en deuxième par rapport avec quantité de gang. Et si vous regardez en termes de superficie, en terre, département de la Tibonite déjà plus gros que département de l'Ouest. Si vous regardez en termes de quantité de monde qui vivent dans département de la Tibonite, il vient tout de suite avec département de l'Ouest. Il y a une nécessité pour autorité agir et population dans département de la Tibonite, de cité son, li paré pour accompagner la police dans tout niveau, dans toute dimension pour craser gang yo dans niveau département. Malheureusement, autorité on a plus au niveau semblait pour qu'on gagne département de la Tibonite dans plan yo et population pas qu'attendre encore de cité son. On en vient avec PM Gaïkouni. Vous avez la parole. D'abord, merci beaucoup messieurs dames de la presse qui nous vient là jeudi à. Nous venons là parce que probablement nous constater depuis hier matin avec DG la PM, avec DG la police. Très bien. Probablement que nous constatons depuis hier matin, la police avec l'armée, supportée par mission internationale là, commencé opération dans la ville là. Je ne vais pas faire un pile commentaire sur l'opération, parce que l'opération est en cours. Mais ce que nous constatons, c'est que comme promis, nous commençons à avancer sur la question de sécurité là. Kaye par kaye, quartier par quartier. Je dis à Mbin là, parce que Mbin, nous, en cas d'opération, nous avons 3 policiers blessés avec 2 civils. Bonne nouvelle là, c'est que messieurs, bien pris en charge, m'bala tous les 5, yo tout en pile courage, histoire m'daime nous rapporter là, je dis à que gen plusieurs là, yo prend balle déjà, l'opération, yo fin prend balle, yo guéri, et puis yo retourne vin goumen pour nous, pour sécurité pas nous. C'est un niveau d'héroïsme extraordinaire. Et tout dim que c'est tanyap tan yo sotsou kaban nan là, pour yo retourner la bataille. Donc ce sont des jeunes engagés, mais qui comprennent situation, pareil pour yo bay vie yo et moi je suis là vraiment inspiré et m'ta remen nous aider.